Bonjour à tout le monde. Je demande la présence du Saint-Esprit pendant que je parle. Que la Vierge Marie éclaire mes paroles. Que vos ancêtres puissent vous parler à travers moi. Je mets la lumière entre vous et moi. Que cette lumière vous éclaire. Que vous puissiez vous retrouver. Je chasse la confusion de votre esprit. Je chasse la déception. Que toute déception et tout découragement que vous avez subi ne vous handicape pas. Au nom de Jésus-Christ, amen. Que vous retrouviez votre foi. Votre joie revienne. Toute personne qui a entravé, abîmé votre foi, j'apaise votre cœur concernant cette personne. Vous qui étiez perdu, que vous puissiez vous retrouver, que vous retrouviez votre mission. Je chasse le découragement de votre esprit. Je viens contre la distraction. Tout esprit de distraction. J'apaise votre esprit. Toute peur qu'on vous a déposée dans le rêve cette nuit. Je chasse cette peur. Pendant que vous écoutez cette vidéo, que vos idées reviennent en place. Je chasse la peur, peur d'échouer. Peur de voir ce qui se passerait. Si jamais vous vous lancez. Je déclare la promotion sur vous. La promotion cette semaine, la promotion ce mois de novembre qui est en train d'arriver. Toute chaîne que l'ennemi a construite pour vous détruire, pour vous attacher, pour vous maintenir dans un espace particulier, je brise ces chaînes par la puissance du Saint-Esprit. Je rappelle votre esprit à la raison. Que vous soyez des personnes qui vont impacter, changer l'humanité. J'enlève la paresse de votre corps. Je rappelle vos objectifs de ce début de mois, de ce début d'année. Je les rappelle à votre esprit. Que vous fassiez ce qui est important. Que vous fassiez ce qui est important pour vous. Que vous ne soyez pas distrait. Celle qui est en train de perdre sa grossesse. Seigneur, nous, tu lui as donné cet enfant. Nous venons stabiliser cet enfant dans ton ventre. Nous déclarons que tu vas amener cette grossesse jusqu'à la fin. Et tu vas délivrer cet enfant dans de bonnes conditions. Toute malédiction générationnelle qui te bloque, ou encore qui est la cause, nous les brisons de ta vie, de ton esprit. Je referme le col de ton utérus, au nom de Jésus. Vous savez, si vous ne faites pas attention, vous allez passer votre vie comme les blagues. Comme les blagues. À la fin de votre... En fait, tu vas même mourir en cours de route sans savoir que, hey, je suis en train de mourir. Est-ce que tu sais qu'un bon matin, tu peux te réveiller comme ça, que tu es dans le cercueil?
réseaux sociaux ont rendu tout le monde blagueur. Si, voilà, je vous le dis chaque fois, ce n'est pas parce que quelqu'un a fait. Tu as vu, il y a 50 000 vues. Il y a 50 000 likes. Ce n'est pas pour ça que cette chose est édifiante pour toi. Tout ce que tu trouves en ligne, c'est fait pour te détendre, pour ne pas prendre la vie au sérieux. Ou blaguer. Tu regardes, tu ris. You're laughing away your life. Tu ris, ta vie sort, ça, tu traverses ta vie. Tu peux voir une maman de 50 ans. Elle se met sur TikTok, elle parle n'importe quoi. Elle parle des bêtises. Oui, mais c'est quoi ça? Où sont les vrais leaders de notre génération? On n'a que des gens dépendants les uns des autres. Aide-moi. Aide-moi. Tout pour vous, je veux partir en Europe. Je veux me marier. Je veux l'enfant. Il y a même des personnes qui ont des pages avec beaucoup d'abonnés. Tu vois une personne avec 10 000 abonnés. Donc en fait, comme tu as 10 000 abonnés, là, tu atteins l'apogée de ta vie. C'est tout, hein? Ah! Oh, TikTok! Oh. Le sens de ta vie, c'est TikTok, comme tu as 5 000 abonnés. Tu te lèves le matin, tu te dis, tu te sens. Vous attendez qu'on vous serve tout dans votre téléphone. On met tout dans ton téléphone, tu viens, tu t'assois, tu te couches sur le lit, un œil à moitié fermé. Vous ne voulez plus vous battre. Vous ne voulez plus poursuivre un objectif. Vous ne voulez plus rêver. What is your dream? Sans vision, les gens périssent. Tu me dis que tu es connecté sur mon direct, pourquoi? Je vais même te bloquer sur WhatsApp. Hein. Ne m'écrivez pas. Hyper paresseux que vous êtes. Je ne tolère pas les conneries. Tu te lèves du haut de tes 5 heures du matin, tu m'écris. Oui, je n'ai pas l'argent, je n'ai pas l'argent. Et c'est que je ne vais pas perdre votre temps. Oui, 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 j'ai vu ton message. Aidez-moi. Je lui dis, écris ce que tu désires sur le papier. Lave-toi au sel matin et soir. Et on m'a dit que j'écris quoi? J'ai fait comment? Et tu dis que tu me suis? Tu me suis avec la paresse? Est-ce que vous savez que beaucoup d'entre vous, vous tombez sur mes vidéos? Vous n'avez jamais fait l'effort d'aller regarder une vidéo pour dire que elle parle même de quoi? Vous voulez me trouver en passant dans un direct pour que je résume ce dont je parle pour vous dire. Oh. Les gens aujourd'hui ne cherchent plus. J'ai rencontré en passant un homme. Chaque jour, je rencontre des gens. Oh oui, je te connais sur TikTok. C'est bien, super. Oui, dis-moi alors. Pourquoi soudainement
Facebook est flou. Dis-moi comment on fait le lavage. Je le prends. Je passe sur TikTok. Je prends son téléphone, je passe sur TikTok. Je clique sur la première vidéo sur ma page. Je m'assois, il écoute, j'écoute, il écoute, j'écoute. À la fin, il fait. Donc, en fait, tu es tombé sur la page. La majorité n'aime même pas vous abonner. Ne vous abonnez pas. Comment vous pensez que vous allez vous abonner là, ça va me donner. Vous croyez que TikTok donne l'argent parce qu'il y a 100 000 abonnés sur le compte de quelqu'un? Vraiment. Oh, wow. Créatrice, nous, wow, pour tes 500 000 abonnés, let me dash you some $5,000. Ah bon? Parce que parfois, pour vous abonner, vous dites que non, si elle m'abonne, ça va lui donner, ça va rien donner à la personne. Donc, tu tombes sur la page. C'est sûrement parce que ce que j'ai dit a résonné avec toi. Tu as eu un élan comme ça, tu dis à un moment que, hey! Tu finis d'écouter la première vidéo qui a duré 30 secondes, 5 minutes. Après ça, tu te dis, ah! C'est bon, hein? Et ah! Te voilà. Tu tournes. Quand Élisée a rencontré Élie, sûrement il a vu la personnalité, la carrure, la prestance. Élie est venu lancer son manteau sur lui. Élisée a dit, laisse, je n'ai pas dit au revoir ma famille, je viens. Il a brûlé les bœufs qu'il élevait. Donc il a vendu son fonds de commerce. Il a offert à manger aux gens. Il a suivi Élie. Pour vous, même suivre la personne seulement sur TikTok, ça vous dépasse. Hein? Quand vous dites de vous laver celle-là, ça, je demande l'argent pour ça. Tu penses que si tu poses ça, tu mets dans l'eau, tu te laves avec, ça ne va pas t'aider? Non, il faut que je la rencontre d'abord. C'est le jour où je vais la voir physiquement que je vais. Attends-moi en français. Bon sort, oh you non, piap. Comment les gens s'en foutent de leur vie? Pourquoi? Certains d'entre vous, on s'est sacrifié pour payer votre billet d'avion pour arriver en Europe. Vous êtes là-bas, vos choses ne marchent pas. Et vous ne cherchez pas à faire. Non, 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 non. Non. Ça vous dérange pas? Oui, je ce qu'elle dit là, je connais. Oui, tu prends le sel, tu mets comme ça là. Tu dis le somme 35, non? 91, non? Je connais. Hein? Tu as alors fait? Non. Tu sais, quand elle me lave le matin, je saute seulement du lit, tu vois. Blaguez avec votre vie. Vous avez suivi. Blaguez avec votre vie. Je vous dis souvent que Dieu est tellement juste. Toutes les injustices dont vous pensez avoir été victime dans votre vie, hein, Nalaï. Attendez, je vais enlever ça. Oh non, tu sais. Non, moi-même, j'ai subi ça. Jean-Marc, je vais te bloquer, ne te dérange pas. Je vais te bloquer. Je ne suis pas dans le fanatisme.
Comme tu me flattes aujourd'hui, demain, c'est toi qui vas m'insulter. J'ai parlé avec une dame, ça fait 2 jours. Ça fait 15 ans qu'elle est mariée, elle ne trouve pas de raison de quitter son mari. Ça fait environ 1 ou 2 ans qu'ils n'ont pas fait l'amour. J'aime pas quand il me touche, voilà. Elle est là à la maison. Elle sait qu'elle est coach dans son esprit. Non, si je divorce, les gens vont dire que le divorce. Jésus t'aime aussi. Si c'est l'insulte, Jésus t'aime aussi. Tête te bloque. Vous ne foutez rien dans votre vie. Quand vous êtes tombé à l'église, on vous a dit Jésus, tu. Maintenant, ça est devenu ta part de moto, de slogan là-bas. Jésus dans la pauvreté. Jésus, c'est l'échappatoire la plus costaude que je connaisse. Oh, je sais. J'ai toujours été anti-conformiste. Et dimanche, généralement, le matin, je sors marcher. Vous savez, je ne fais pas mes services le dimanche parce que on a mis que c'est dimanche. Qui a dit d'abord que ça allait être dimanche? Et avant, quand je partais à l'église, je voyais les gens que toute la semaine, ils portaient des habits bizarres. C'est le dimanche qui tombait la sape. Bonjour. C'est le dimanche qui tombait la sape. Tapoter le direct. Hein. Après, on m'a dit bonjour, tapoter au moins le direct. Donc, tu vois quelqu'un, tu passes 6 jours dans les commérages avec ton copain avec qui tu dors. Vous vivez ensemble, vous vous cachez à l'église, on ne connaît pas. Tu as les dettes, tu dois. Combien de chrétiens doivent aux gens? Je trouvais que les gens les plus durs, c'était à l'église. Tu arrives à l'église, tu as une petite promotion. C'est comme si on t'en veut. Tu travailles et le jour. On te met peut-être un dimanche sur deux, tu dois aller venir au boulot. Le pasteur te dit non, comme tu as été travailler le dimanche, là, Dieu va te punir. Voilà, je suis bloqué partout. Son nom, c'est Saint-Esprit. C'est comme ça que vous faites. Donc hier, je passe dans une de mes marches. Je sais que les pasteurs dans les églises ici, là, au Gabon, ont déjà prêché contre moi. J'étais devant le local l'autre jour, à Libreville. Je vois, il y avait une sortie d'église, il sortait de l'église. Je vois une femme et son mari passent. Dès qu'ils arrivent à mon niveau, ils portent le bébé. Ils accélèrent. Tchouk, 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 tchouk. Après, je dis, mais. Est-ce que le pasteur a prêché contre moi à l'église? Tu vois, le dimanche, ils s'habillent, ils mettent leurs bons habits. Louons le Seigneur. On regarde comment elle est habillée. Ah, elle a une nouvelle voiture. Il faut que j'ai aussi la voiture. Je suis sûr qu'elle s'est prostituée pour avoir la voiture là. Et la personne alors qui a la voiture. Et la personne qui a la voiture. Voilà, je vous dépasse. Et viens avec la clé. Seigneur, nous te louons, louons, louons. Témoignage. Praise the Lord. The Lord has blessed me this week with a new car.
So I say, glory to God. Parfois, tu vois, de nouvelles personnes viennent d'arriver à l'église, ils n'ont pas à manger. Ah, c'est pareil dans vos mosquées, hein. Et que mieux vaut boire l'alcool et dire la vérité que boire l'eau bénie et mentir. Oh Seigneur. Seigneur. Là voilà avec sa clé. Les personnes qui ont vraiment des besoins cette semaine-là, les autres frères de l'église vont passer devant eux. J'étais en Angleterre, j'ai vu. Comment? Oh, les Anglais ont cœur. Quelqu'un peut te prendre. Oh, peut-être tu es bloqué dans un village sous la pluie. Tu n'arrives pas à trouver le bus. Il te porte dans sa voiture. Il conduit 25 à 30 minutes. Pour aller te déposer à la station peut-être de train. Après, tu veux lui donner quelque chose. Tu dis non, it's all right, don't worry. It's all right, don't worry. Il dit, wow. Les Anglais qui ne connaissaient pas, donc j'ai même honte de lui parler de Jésus. Wow. Il fait la nourriture, ça. Il porte sa part. Il part, il donne. Oh là là. Une autre personne a dit, laisse-moi te parler de Jésus. Laisse-moi te parler de Jésus. Tu t'assois, tu écoutes. Oui, tu dois venir, on peut évangéliser. Là, tu dois venir, tu dois venir. Ok, voilà ce que... Je dis, mais... Donc hier, je passais devant une église. Je vois une dame. Elle est sortie de l'église pour aller acheter de l'eau dehors. Elles étaient tous en talons, vous les connaissez? Talons. Dedans, vous les connaissez le dimanche à l'église, non? Je vois comment une passe et elle se connaissait. Elle parle donc à celle qui partait acheter de l'eau. Ah, il faut m'inviter, oh! Il faut m'inviter. L'autre là, elle passe avec son eau. Celle qui avait dit qu'il faut m'inviter passe aussi. Les chrétiens doivent être des leaders. Si ta personne ne te cherche pas pour dire que c'est quelle église que tu pars comme ça. Non, mais amène-moi ton église là, non. Amène-moi là. Je vais venir. Moi, je suis sorti de tous ces groupes-là. Joyeux anniversaire, Livertine. Moi-même, c'est mon anniversaire demain. Si les chrétiens... Donc, tu vas les voir dans le groupe familial. Fais suivre. Puis, il t'envoie. Et tu connais toi-même que dans la famille, c'est le plus dur. C'est le gars qui fait le plus de commérage. Je dis, mais... Where did you be this? C'est pour ça que quand tu parles de Jésus, c'est comme si ça gratte les oreilles des gens. Si c'est Jésus que tu sais, pourquoi tu fais comme ça? La Bible dit que vos œuvres, que vos actes, que par vos bonnes œuvres, les gens glorifient votre Père qui est aux cieux. Tu fais pas ta chose qu'on vient te dire. Donc, supposons que tu utilises tes produits. La personne voit comment ta vie. Hey, dis-moi un peu, c'est quoi que tu veux? Non, c'est les produits de la femme, c'est ce que j'utilise. La personne dit que je veux aussi. C'est le jour là que tu connais que
Je n'ai pas parlé. Ne forcez pas les gens de votre famille. C'est bon. Il faut que ma soeur fasse le jeûne. Il faut que ma soeur fasse de quelle fondation. Et ok. Ne leur envoyez même plus mes vidéos. Laissez. Ils vont rester voir en 6 mois. Elle a acheté 2 voitures. Elle est partie en Europe 2 fois. Elle est revenue. Elle a. Ce matin, dans la prière, on va jeûner demain, après-demain et le jour d'après. 3 jours de jeûne. Pendant la prière, j'écoute les conversations entre eux. Estelle So, tu penses vraiment que tu vas venir dans mon direct et les gens vont te regarder? Continue d'écrire. Bonjour. Cher Béninois. Arrêtez d'essayer de convertir tout le monde. Si on prend seulement ta vie, tu as beaucoup de choses dans ton assiette. You have a lot on your plate. Un leader, c'est celui qui se conduit d'abord lui-même. Tu as dit que tu vas te réveiller à 6 heures, réveille-toi à 6 heures. Tu as dit que tu vas faire tes choses, fais la chose à temps. Travaille d'abord sur vous. Merci, chérifa. Et c'est pas beaucoup d'entre vous qui êtes prêts. On va te dire, fais ça. Je ne cours plus pour donner mes perles aux cochons. C'est pour ça que, quand il fait mes choses, si tu veux, tu écoutes les vidéos. Si tu n'écoutes pas, je demande qu'on me paye. Paye-moi. Donc, si tu me payes, je te conseille. Tu n'écoutes pas, ça ne me dérange pas. Parce que tu m'as donné mon argent. Combien d'entre vous, vous passez le temps à conseiller les gens? Fais comme ça. Je te parle, tu n'écoutes pas. Même vos maris que vous conseillez, là, laissez-les. Ils savent ce qu'ils font. Je vais très bien, Rockefeller. C'est mon anniversaire demain. C'est ça qu'il me rend, je me fais plaisir quand il veut faire ma chose. Si j'attends seulement que quelqu'un vienne de oh, c'est mon anniversaire, y allez-vous, hein? Moi. Moi. Non, 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 je suis trop suffisante. I'm so much enough. I'm so much enough. Garde tes conseils pour toi. Mets tes conseils en pratique. Si ça marche, on va voir dans ta vie. C'est que c'est compliqué. C'est dur. C'est dur. La gestion de ton temps. Quand j'ai compris ce que je vous dis là, merci pour les compliments. Quand j'ai compris ce que je vous dis là, j'ai conservé mon énergie. C'est ça qui m'a permis d'évoluer. Souvent, il y a un de tes frères dans la famille que tu as déjà tout fait. C'est toi qui l'appelles toujours tous les 2 ans pour dire, assois-toi pour voir ce que tu vas faire de ta vie. Laisse-le. Parce que tu mets les poumons et le cœur sur lui. Tu mets les organes. Et il sait, ma soeur est là. Ma soeur,
Ma femme, non, il ne peut pas me perdre. Ma femme va prier pour moi. Ma femme va. Je ne vous ai pas dit de ne pas prier pour vos maris. Mais vous avez fait que vous voulez tout forcer, que faire comme ça. Certains parmi vous, vous êtes les secrétaires de vos maris. Quoi? Quand il rentre le soir, il dépose tout. Même son planning du travail, c'est toi qui dresses pour lui. Quand il est pas au bureau, il y a certains de ses devoirs que c'est toi qui fais. Tu as le temps de te concentrer sur ta part. Mon numéro est dans ma bio. Et je dis toujours, si quelqu'un veut vraiment me contacter, il me contactera. Midée. Si tu dois trop te jeter sur quelqu'un, appelle-moi, appelle-moi, appelle-moi. Voilà mon numéro, voilà mon numéro. C'est comme l'argent, non? Chaque année, elle a une grossesse. Laissez-la avec ses grossesses. Bonjour, Loris du Gabon. Chaque année, laisse-la. Quelqu'un qui connaît chercher et reconnaître les bons conseils, il sait que les bons conseils se payent. Écoutez, il sait que ça se paye. Et quand tu viens à moi, si tu n'as pas l'argent d'abord, ça veut dire qu'il y a ton premier trou que tu dois résoudre, ton souci. Quand tu n'as pas l'argent, hein, ce n'est pas que l'argent ne touche pas ta main, c'est que tu gères mal l'argent. J'ai des vidéos sur ma page où je vous enseigne la gestion financière. On vous dit payer la dîme, vous croyez que c'est parce qu'on a besoin de votre argent. Ne payez pas, vous allez lire là. La dîme, c'est 10% de ton revenu. Tu as-tu t'es chamaillé avec ta soeur, non? Continue d'aller. Elle va vider ton énergie. L'énergie qui va te donner 5 millions, tu vas aller verser ça sur ta soeur. Règle numéro 1, apprends à gérer ton argent. Parce que qui veut peu? J'ai vu des gens qui sont arrivés, je n'ai pas l'argent de la consultation. Tu vois le téléphone avec trois yeux dans sa main. Tu as pris 400 000 où? Tu as pris 800 000 où? Hein? C'est ton argent, hein? Pour verser la dîme, il y a le numéro du Gabon, 074 18 00 80. Pour le Cameroun, pour la dîme, 237 655 655 31 07 50. Quand j'ai commencé, je rappelle que personne n'a sorti son argent pour investir sur une de mes entreprises. Je suis en Côte d'Ivoire, Cameroun et Gabon. Si tu veux mes services dans une ville, tu vas, tu payes, soit tu payes à distance. Je travaille à distance sur les gens. Ne cherchez pas à me voir physiquement. Ne cherchez pas. Je ne consulte plus physiquement, même laver physiquement la nous. Tu peux venir te donner les produits, tu pars, tu te laves. Il n'y a plus l'énergie à mettre sur vous physiquement. Côte d'Ivoire, 07 79 02 52 05. Là, c'est Wave et Orange Money. Donc 07 79 02 52 05. Jusqu'à présent, tous les téléphones, chaussures,
que tu veux ou que tu as voulu, tu les as eus. J'ai des vidéos sur ma page sur la dîme. Assure-toi, tu cherches. Je n'enseigne pas particulièrement sur la dîme aujourd'hui. Donc à l'époque, quand je commençais, j'avais besoin d'investir sur mon matériel. Je me rappelle dès que je touchais l'argent, si je savais que le ring light c'est 80 euros. J'ai 20 euros qui touchent ma main, je prends 2 euros, je mets de côté pour la dîme. 18 euros, je prends, je fais comme si j'avais perdu même l'argent là en fait. Oui, je peux vous payer par PayPal, j'ai le compte PayPal, je vais vous le donner. Prenez de quoi noter. Donc je considère que bon, j'ai eu les 20 euros là, j'ai perdu ça. Mais prends 18 euros, je mets de côté. Ça veut dire qu'il me reste 62 euros. Le lendemain, je me dis qu'elle me lève, il me faut le ring light, il me faut le ring light, il me faut le ring light, il me faut le ring light. En attendant d'avoir le ring light, je commence à utiliser la lumière du soleil. Donc là, je me mets à la fenêtre pour faire mes vidéos. Ça peut te prendre un mois pour acheter le ring light, ça peut te prendre 6 mois pour acheter le ring light. Si tu attends le ring light, tu crois que le jour où tu vas faire la vidéo avec le ring light, c'est le jour là que tu auras 1 million de vues. Tada! Ta-ta-ta-ta! Tu te mets le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Hein? Donc une célébrité t'intéresse à toi. Hein? Ok. Heureux mariage. Semaine prochaine, tu as encore 50 euros qui tombent. Tu prends 5 euros de dîme, tu mets de côté. Les choses qui bouffent votre argent, la nourriture. Tu peux manger le tapioca pendant 2 semaines parce que tu veux acheter quelque chose. En fait, de nos jours, les gens n'ont plus d'objectifs. Tu peux utiliser le pop, le téléphone pop. Pop qui est à 60 000 au pays là. L'autre c'est même 55 000 ou 50 000. Prends le téléphone pop, tu commences à faire tes vidéos avec. Non, non, tu sais. Il me faut le téléphone de 300 000. Parce que l'écran de ça, ça va bien voir. Hein? Procrastinateur. C'est comme ça que les 300 000 là vont toujours te fuir. Parce que tu attends d'avoir un argent de 300 000 qui va tomber sur toi. Et tu sais que 300 000 ne viendra jamais. Ton argent entre toujours en 50 000, 100 000, 20 000, 50 000, 100 000, 150 000, 150 000, 150 000, 20 000, 50 000, 30 000, 80 000. Vous êtes bêtes. Je veux que tu restes, tu regardes ta vie toi-même. Et tu réalises que tu es bête. Vous n'aimez pas qu'on appelle le chien chien. Hein, c'est prend pour qui? Non. Selon les périodes de ta vie, tu dois avoir des objectifs. Certes, je veux avoir sur le terrain, si je vais faire un immeuble, je vais. Mais pour l'instant, de le novembre et décembre, les 2 prochains mois, mon seul objectif, c'est de trouver l'argent pour faire la fondation. Parce que si je ne suis pas regardé le plan qu'on t'a donné, il te faut peut-être 250 millions pour construire. Peut-être la fondation, c'est 12 millions. Pourquoi tu ne cherches pas d'abord 12 millions? Oh là 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 là. Je veux me lancer dans le coaching. Mais vraiment, j'attends d'abord. Si vous saviez les conditions dans lesquelles j'étais quand j'ai fait certaines vidéos. Mais j'étais que là. Certaines vidéos j'ai fait dans la grossesse. Les gens me disent à mon direct, oh, tu as grossi, je m'en fous de vous. J'ai fait ce que j'ai fait. Le reste, I don't care. I don't care.
I just don't give a F about it. I don't care. Oui, renouveler ton bain avec lequel on quitte fondation, tu finis les 7 jours de jeûne, tu continues avec le reste des produits. Je ne fais pas les sauts quantiques tout le temps. C'est-à-dire quitter d'une étape pour aller drastiquement dans une autre étape. Mais s'il y a une chose qui est sûre, c'est que chaque jour, je vais avancer. Mes employés connaissent. Chaque lundi, on a les objectifs de la semaine, on a les objectifs du jour, on a les objectifs du mois, les objectifs sur 6 mois, et la vision sur 5 ans, c'est généralement moi qui la partage, c'est moi qui l'ai toute seule. Il y a très peu de mes collaborateurs qui connaissent là où je vais amener cette entreprise dans 5 ans. Mais vous attendez toujours. Non, je veux. Je veux. C'est moi, Alice, au pays des merveilles. C'est comme ça que vous êtes. Allez rêver. J'imagine un esprit, un monde de bonheur, un lapin qui parle, et 5 millions de francs qu'on m'a donné. C'est moi, Alice, au pays des merveilles. J'attends mes 5 millions. Seigneur, donne-moi ça en décembre. J'imagine ce que je vais faire avec. Peter Pan fait clochette, comme tu as dit là. On me donne 5 millions. Pour lancer le business, j'ai besoin de 10 millions. Mettez les étapes de ce que vous voulez obtenir. C'est pas pour rien que le Seigneur Jésus a utilisé la parabole de la semence, quand il parle du royaume des cieux. Il dit, c'est comme un grain de sénévé. C'est comme une petite graine qu'on met dans la terre. Quand tu commences, on te regarde, on dit, ah, 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 ah. Elle a 2 vues. Pendant 6 mois, tu as 2 vues. 1 an, tu as 10 vues. Mais tu te pointes chaque jour, tu es là. Tu es là. Voilà, on se moque de toi et ton mari. On dit que vous vivez à l'étranger. Et vous êtes dans une chambre. Vous avez des projets. Vous voulez acheter une maison en 2025. Ton mari sort de loin. Sans emploi depuis des années. Mais Dieu lui a fait la grâce. Il a décroché un CDI. Mamie, même, il dit que, même 1 an dans son CDI là, ne déménagez pas. Tu connais le goût que ça? Quand tu regardes ton compte bancaire, tu vois 25 000 euros. Oh! Po. C'est là que tu sais que tu n'es pas une personne ordinaire. Oh! Tant que tu ne dépasses pas l'étape où tu veux plaire aux gens, il faut quand même que je m'habille, non? Et vous savez comment ces gens-là essayent tellement de mettre ça sur moi? Tu es une influenceuse déjà. Et puis quoi? Tu crois qu'elle me pointe à la banque, je montre mes vidéos TikTok, on me donne l'argent? Je suis commerçante. Go test him. Je suis attaquante. Vous me suivez, non? Je suis attaquante. Point barre.
Non, tu dois d'abord avoir la voiture. Tu dois avoir. Je n'ai rien à foutre. Je prends mon taxi. L'argent de la voiture là, je peux prendre ça. J'investis. Moi, j'aime les investissements. Je ne peux pas m'en passer. Ah, depuis que j'ai découvert ce que ça fait d'avoir plusieurs sources de revenus, oh, I can't do without it. Commencer le commerce tôt. Parce que tout ce que je connais aujourd'hui, j'enseigne aux gens. C'est des choses que j'ai commencé le commerce, j'avais 22 ans. À 23 ans, j'ai chargé les conteneurs. 40 pieds pour avoir en Afrique et vendre. C'est un fiasco total, bien sûr. J'ai fait deux conteneurs, un conteneur avec un partenaire et deux autres conteneurs moi-même. Donc ça fait 10 ans. Voilà, Christelle, on va rester dans cette pièce, sortir d'ici pour aller chez nous. Et vous savez, si moi j'étais dans votre situation, et c'est que ça ne va pas plaire à certaines personnes. I'm just saying. Hi, Jocelyne. Moi, j'ai les titres, les stratégies dans ma tête. Je vais vous donner un cas de figure. Si j'étais en banque et que je pouvais acheter une maison comme toi, là, tu vas l'acheter. Vous savez qu'Airbnb, jusqu'aujourd'hui, ça donne tout l'argent, non? Tu restes dans ta chambre. En tout cas, je parle. Ça va? Tu restes dans ta chambre. Tu payes la maison. Tu te décides au moins un an. Et en payant que tu as mis assez d'argent de côté pour la meubler immédiatement. Tu la meubles. De bons meubles, très beaux. Sur Airbnb, quand tu attaches, quand tu as ton appartement, que ce soit en Afrique, hein, dans tous les pays, quand ta chose est belle, les gens viennent. Tu ne peux pas avoir un bon appartement avec un bon service d'accueil. J'ai fait ça des années. Moi, je suis dans Airbnb depuis 2016. Bonjour, Berlin. L'argent que le Airbnb peut te donner en un an. Et tu payes tes taxes, bien sûr. Ça va faire que vous allez économiser encore la caution si vous êtes discipliné. Pour acheter une deuxième maison en l'espace de maximum 18 mois. Parce que pour moi, économiser de l'argent pour aller mettre et vivre dedans. C'est pour ça que vous allez voir la majorité de mes choses que je vends. Je vends aux gens. Ma première maison que j'ai achetée quand j'étais en Afrique, c'était la maison du business. Je ne suis pas folle. Je ne suis pas vivre dans une grande maison pour faire quoi? Je ne suis pas vivre dans combien de mètres carrés? Moi? Ah, je vais partir louer un petit appartement là-bas. Pardon. Pour ta canne. Si ton mari et toi, vous mettez un plan sur 5 ans. Vous allez devenir financièrement indépendant et vous serez bailleur et vous aurez des investissements qui vont vous rapporter. On ne paye pas la maison pour vivre dedans. On vit le moins cher possible et l'argent qu'on économise, on fait le premier investissement. Allez écouter le livre L'homme le plus riche de Babylone, s'il vous plaît. Je ne suis pas qu'une belle, une belle tête, un beau visage. J'ai passé des nuits blanches à écouter ces livres-là. Première maison que tu obtiens. C'est une maison de 4 chambres. Faites l'effort pour acheter une grande maison. Vous pouvez faire le Airbnb en divisant plutôt. Vous louez les chambres. Donc, vous vivez dans une chambre, vous louez les autres chambres. Si Airbnb s'arrête et que ça ne marche plus,
Vous êtes déjà dans votre maison de toutes les façons. Donc vous vivez dans votre chambre, non? Dans votre maison, non, pardon. Supposons que tu lances un business et après on ferme. C'est déjà chez toi de toutes les façons. Tu vis seulement dans ta maison. L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre commun. Mais il contient des astuces que les gens n'appliquent pas. Aide-moi. Je n'aime pas le mot aide-moi. I don't like it. Je suis convaincu qu'en chaque... Toute personne a une opportunité. Et même si tu ne sais pas faire quelque chose, va sur YouTube, en 3 jours, tu vas apprendre à faire quelque chose. Dans ta ville, il y a sûrement des personnes qui ont des magasins. Fais à manger, tu passes, tu livres aux gens. À midi, les gens cherchent quoi manger. Non, on ne peut pas me vanter de vendre la nourriture. Dans les... Non, je ne peux pas. L'arrogance, c'est l'orgueil qui te tue. C'est l'orgueil qui te tue. Tu déposes l'enfant à la maison, à l'école le matin. 7h30. Tu vas au marché. 9h maximum, tu rentres à la maison. Si tu prends plus d'une heure 30 pour préparer, je ne sais pas quel genre de femme tu es. Tu t'organises. Cherchez à faire des business où vous êtes incontournable. Voilà, mon projet de voyage est bloqué, prie pour moi. Pardon, ne me dérange pas. Tu as compris? Il y a les prières que vous venez me demander, je n'aime même pas. Il y a parfois des moments, tu pars dans un magasin pour te tresser peut-être. Tu arrives à midi, tu as faim. Tu vois comment tout le monde se plaint. Ouais, on a faim, ouais, ouais. Finalement, tu le vois acheter un truc bourré de mayonnaise. Là-bas, ils mangent, ça les alourdit. Et tu sais que tu ne peux pas bien. Même si tu ne peux pas bien, apprends, entraîne-toi. Il y a tout sur YouTube. Quand je n'avais pas de papier en Europe, c'est comme ça qu'ils me faisaient de l'argent. Hein. J'avais des beignets magiques que je faisais. Mes beignets pouvaient rester 3 jours sans aller. Tu déposes seulement, comme en Europe, il fait froid. Tu déposes comme ça. Le lendemain, tu chauffes 30 secondes au micro-ondes, c'est prêt pour manger. Tu manges, tu bois une tasse de lait, c'est bon pour le boulot. À midi, tu peux manger, le soir, tu peux manger. Ce n'était pas les beignets lourds comme... Oh, God, Seigneur. Il faut que je recommence à faire mes beignets magiques. Facile à emporter. Pour quelqu'un qui est trop occupé, même si tu n'as pas le micro-ondes, quand tu manges même simplement au salat, c'est bon. Hein? Tu arrives dans le magasin, tu vois moi, tout le monde se plaint de ouais, nourriture, ouais. Dis-le, parfois hein, tu dois même te mettre devant, ok, prenez mon numéro, je fais la nourriture. Je vends la nourriture, hein. Tu deviens vendeuse de nourriture une fois. Vous ne connaissez pas voir les opportunités de business. J'ai des tours de business, j'ai des besoins que vous avez souvent sur ma page, que je n'ai pas le temps pour faire. Je sais que c'est fait ça de l'argent, mais j'ai priorisé mon temps. Peut-être les ateliers de gestion de temps. Ça, c'est chose qu'elle faisait avant. Donc, je cherche même quelqu'un qui va gérer ces ateliers-là. Ateliers de prise de parole en public. Plein de petits ateliers. Tu vois, 2-3 personnes se plaignent. Tu pars chez le boutiquier, lui-même, il dit que ah, quand je vends ici-là, mais je suis fatigué de manger le pain au chocolat à midi. Tu dis que chaud. Et ce que moi, quand je vendais, je fabriquais toujours un échantillon. Donc, tu achètes des petits bols. Tu peux avoir des petits bols, non, des petits trucs, des petits conteneurs maximum. Y a, même si tu as acheté, ça t'a coûté 100 francs. Investissez sur votre business. Vous aimez trop les. Vous faites la main comme ça, là, comme les manchots. Tu prends un peu, tu viens, tu donnes. Et quand tu testes ta nourriture, assure-toi que quand tu manges ça toi-même, tu ne peux pas te passer de ta propre nourriture. Si quelqu'un te fout, si vous mangez ma nourriture, je ne peux pas simplement. Qu'elle ne peut pas ne complique pas. Mais qu'elle ne peut pas dire que ça sera bon. Tu viens, tu donnes que pour tester. Hein, chaque midi, je peux passer. Vous pouvez faire la commande. Et je pousse encore le bûcheron plus loin. Il y a des célibataires dans votre église. Qui bossent, ils ont l'argent, bien sûr. Il y a les bureaux dans votre ville, non? Il y a des bureaux.
Vous prenez un papier. Tu n'as même pas la photocopie. Tu ne peux même pas aller tirer à 25, 25. Prends le papier, le cahier de ton enfant à la maison. Tu divises en petits, petits morceaux. Tu écris livraison de nourriture. Tu déchires les papiers en petits, petits morceaux. Ou tu donnes même ça comme travail à tes enfants le soir, dimanche soir. Asseyez-vous, vous écrivez ça sur le truc. Et vous découpez. Vous faites un peu plus pro. Tu peux au quartier, tu vois un petit informaticien là, tu lui donnes même 500. Il tape ça. Il imprime. Tu pars, tu t'assois, tu découpes. Tu passes, tu donnes. Tu passes dans les bureaux, tu donnes. Et le jour où tu passes donner, que tu as un petit échantillon, écoutez, personne ne refuse la nourriture. Et il y a les business dans lesquels quand tu fais logement, école, les écoles là, les écoles pour les enfants, la restauration. Restauration. Et maintenant que tout le monde est sur TikTok aussi, la beauté. Et le spirituel, bien sûr. Je suis allé sur ce qui donne plus. C'était aussi mon appel. Hein. Je crois que si Dieu ne m'avait pas fait passer par toutes ces étapes-là, je serais une personne spirituelle pauvre. Je serais ce que je ne gagnerais pas de l'argent. Parce que tout ce que j'ai appris dans les autres business que j'ai fait, c'est ça qui m'aide maintenant à gérer ce business de spiritualité que je fais aujourd'hui. Célibataire de mon église. Oui, je vous fais la nourriture. J'apporte ça dimanche à l'église. On met dans ta voiture. Je te fais 7 repas. 2 fois 7 repas, non. 14 repas. Toi, la maman, tu sais peut-être que ça va te coûter pour faire tout ça 70 euros. Tu lui dis donc, donne-moi 140 euros. Tu achètes des Tupperware, tu mets dedans. Quand tu arrives le dimanche, là, levez-vous tôt, vous dormez. Vous êtes sur TikTok, vous regardez des nonsense. Hein? Voilà, allez, voilà. Une femme ou un homme. Une femme ou un homme. Il te bloque. Hein? L'argent se fait en se disciplinant d'abord. Beaucoup d'entre vous, votre argent a disparu parce que vous n'étiez pas discipliné dans le service que vous apportiez. C'est ce qui fait la différence entre un coiffeur qu'on paye cher et un coiffeur amateur. J'ai un ami que j'avais rencontré en 2018 quand j'étais en France. Il m'a raconté ses débuts dans la coiffure. Et il avait l'un des salons les plus chers de Reims. Il me disait que son prochain objectif, c'était d'ouvrir un salon à Birmingham. Je suis sûr qu'il a ouvert parce que ce gars était tellement focus. C'était l'un des gars les plus déterminés que je connaissais à l'époque. Il dit qu'il avait fait la formation en plomberie, je ne sais pas trop quoi. Il a fini. En France, il cherchait le boulot, il ne trouvait pas. Donc, un jour, sa copine et lui, à l'époque, sa copine, maintenant sa femme, elle dit bon. Et c'est quand même la coiffure, non? Donc, il coiffait, de temps en temps au quartier, avait une petite tondeuse qui n'était pas bien. Donc, un jour, il a eu l'idée que, attends, il a donc demandé à peut-être 3, 4 de ses clients, donnez-moi l'argent en avance. Donc, si tu me donnes peut-être 50 euros, le moins 50, 50, 50, ça fait peut-être 300 euros, je peux acheter une bonne tondeuse, un petit matériel pour commencer. Et maintenant, je te coiffe gratuitement pour 6 mois. Deal. C'était lui-même qui me racontait son histoire. Ils ont passé le deal. Il a acheté le matériel. Coiffé à la maison. Les petits papiers que j'ai dit là, c'est sa copine. Elle imprimait les flyers. Elle passait aux arrêts de bus. Elle partageait aux gens. Elle collait dans tous les endroits de Reims. Ceux qui sont à Reims, vous connaissez MAP. MAP. Il y a de très, très peu, très faibles chances que quelqu'un le connaisse ici. MAP coiffure. C'est comme ça qu'il a fait du matin, ça marche. Et c'est quelqu'un qui poursuit l'excellence. Et si tu es en train de regarder les vidéos, tu le vois le soir, ça. Quand il est dans son bureau. Hein. Ah, tu as entendu parler de MAP et tu es à Troy. Waouh, ça veut dire qu'on s'est perdu depuis ça pour au moins 4 ans. Je crois que ça, c'est la 5e année. La vision que le gars avait à l'époque.
Je sais que la France a entendu parler de lui. Et je vous en prie, à l'époque, il y avait certains diplômes qu'il n'avait pas. Et que tu as quatre salons de coiffure en France. Il y a certains de leurs diplômes parfaitement que tu n'as pas encore. Il me dit oui. Tu le vois, il regarde les techniques de coiffure. Il m'a expliqué comment il a percé le monde des footballeurs. Il me dit qu'il a écrit, il a imprimé ses cartes de visite. Il payait son billet, place VIP, au stade de Reims. J'ai fait 2 ans en Reims, en France. Il payait son billet VIP. Comme ça, il sait que quand il est en VIP, il y a de fortes chances qu'il rencontre, après il a peut-être accès au vestiaire. Il partait avec ses cartes, il faisait que donner aux footballeurs. Il donnait tout le temps, il donnait. Ah, tu connais aussi Mappé, Esther. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous le connaissez. Il a les locks comme ça. L'homme-là m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Il m'a beaucoup inspiré. Il dit qu'il donnait pendant. Donc, il dit que quand il arrive dans ça, il poursuit les footballeurs là. Il donne les cas. Il dit que ouais, je vais te coiffer, non. À l'époque où je l'ai connu, il coiffait les footballeurs de l'équipe de Reims. Pas qu'il avait un contrat avec l'équipe, mais c'est les footballeurs même qui l'appelaient. Je ne me rappelle plus de ses prestations quand il partait à domicile. Et il y avait un truc qui m'avait aussi gagné sur lui. Il coiffait toujours avec des marques. Imagine Ralph Lauren, Louis Vuitton, tout. Donc, quand il coiffait, il avait toujours une prestance. Mais je lui demandais toujours, parce que quand j'ai vu son succès à l'époque, je savais que derrière ce succès, il y avait un homme qui bosse. Ce qui fait que quand je vois quelqu'un qui a du succès, c'est pas ton succès qui m'intéresse. Je vais venir te demander, dis-moi un peu comment tu as fait. C'est ça qui m'intéresse. Et il dit que quand ça a mordu, c'est comme ça que tout le temps, maintenant, telle personne te passe son contact à l'autre personne. C'est comme ça. Imagine quand tu les côtoies déjà. Donc tu peux être excellent dans tout domaine que tu fais. Laissez vos affaires de persévérance là. Vous êtes paresseux. Point bas. Vous allez venir me citer les principes de la loi du succès ici. Il y a ça. Après qu'on te demande, on te parle en privé. Non, tu sais, je vais d'abord attendre que mes enfants aient 10 ans, tu sais. Il y a les mères qui portent l'enfant sur le dos pour aller faire les choses. Vous ne voyez pas souvent les femmes maliennes là qui vendent les choses dans votre quartier? Tu la vois avec l'enfant sur le dos. Elle a le truc sur la tête et pas elle vend. D'abord, tu sais, mon enfant finit la crèche tôt. Vraiment, je n'ai fait pas. Il à l'époque, il avait ouvert l'un des plus beaux salons de Reims. Et quand je me rappelle, j'appréciais ce salon-là, il me dit, tu n'as encore rien vu. Je me prépare pour faire un carton dans telle ville. Je vais faire comme ça. Il ne parlait que de ça. Tu t'assois, tu parles avec lui, il ne parle que de ça. Tu le vois, il est en train de bosser, il est en train de... qui est? Merci Ibrahim qui m'aime depuis la Côte d'Ivoire. Vous n'avez que des excuses. C'est des excuses, pardon. C'est ça. Lève-toi tôt. Il y en a parmi vous, vous êtes encore dans le lit. Ta belle-sœur peut la tête, tu viens, tu te dis que je suis. Faut me laisser. Je dis que brave dame, certaines de ces femmes-là se font plus d'argent que toi. Et ça que vous simplifiez. Et s'il y a un truc qui m'a beaucoup, les Maliens, les Sénégalais, va dans leur pays voir ce qu'ils ont fait. Tu seras choqué. Ils ont construit. C'est quand j'ai vu une femme sénégalaise à Dubaï faire ses achats. J'ai vidé les excuses de ta vie. J'espère que tu l'as bien fait. Ils ont les maisons. Je me rappelle, il y avait un monsieur comme ça à Reims.
Il était caissier dans un des cash and carry que où je partais acheter mes choses. Il me voit, il me dit que je souhaitais finir de construire ma maison au pays. Et tu le voyais comme ça, là, tu pouvais même le gifler. Il avait son survêt qu'il mettait tous les jours. Il s'assoit. Il fuyait les problèmes. Il fuyait les problèmes. Voilà, les Burkinabés qui sont gardiens en Côte d'Ivoire, ils ont des maisons. Bébé de 2 mois dans les mains. Et elle, parfois, l'enfant est sur le sein ici, là. Elle est en train de te servir. Oh, oh là là. Oh, c'est la télé qui vous a gâté. La CRTV que tu regardes dans l'enfance, là. C'est ça qui t'a gâté. Les excuses à la con. Appelle-la dimanche, elle vient travailler. Appelle-la dimanche, elle vient travailler. Non, toi, tu dois. Si ce n'est pas comme ça, moi, il ne fait pas. Hein? Hein? Et moi, tu sais, j'ai un rêve. I have a dream. Qui va venir investir sur ton rêve? Depuis que tu attends là, qui a investi? Tu as un rêve, ton compte est vide. Un jour, je vais percer. Un jour, tu as percé l'abcès. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Parce que quand tu dis que tu as une vision, que tu as, il faut que tu te fais face aux faits. Le loyer de la boutique, c'est moi qui dois payer. Le loyer de la maison, c'est moi qui dois payer. Un bailleur ne tape encore et humilié. Un bailleur ne tape encore humilié assez. Tu regardes ça, tu dis, mais le PC se prend pour qui? Je peux me fâcher, j'achète la maison. Mais fâche-toi. Approche la vie avec la fureur dans toi. Vous êtes trop casual. Vous êtes trop. You're too complacent. You're too complacent. Ah, tu sais. Vraiment. Tu investis, tu tapes poteau. Karine, je vois ton esprit. Hein. Je ne t'ai pas répondu depuis. Je te bloquerai, peut-être te bloque. Je vois ton esprit. J'ai l'impression qu'elle va t'enseigner toutes les règles de réussite. Et tu vas regarder sa vie, il n'y a rien dedans. Absolument rien. Quel que soit le domaine que tu dis que. Vraiment, je pense que c'est l'agriculture. Quand je suis arrivé au Gabon, j'étais choqué que les Gabonais n'aient pas. En fait, au Cameroun, généralement, quand tu marches, tu vois les sillons, le champ. Un terrain est vide, on a fait le maïs dessus. Non, ils sont casual, you know. Casual. They don't know, you know. Ils achètent tout. Ça leur va. Ouais. Reine Foster, merci, mon anniversaire c'est demain. Mon. La majorité des choses que j'ai accomplies dans ma vie, c'est parce qu'on m'a manqué de respect. J'ai parlé à l'univers, j'ai dit que Dieu, je dois avoir ma part. Sors-moi de ça. Tu me vois à 3 heures. J'ai les yeux comme ça là. On voit le matin, j'ai les seins ont même baissé. Mes seins ont baissé. Quelqu'un me dit, tiens, tiens, fatigué, hein? Je te bloque. Je ne te reçois plus chez moi. Celui qui vous a dit que vous aurez le succès en dormant de 22h à 7h du matin, la personne vous a menti. Ouais, il faut que tu te reposes un peu, hein? Dès que tu me dis ça, sache que tu deviens mon ennemi. Mes employés connaissent. Ouais, madame, vous savez.
et n'aime pas le manque de respect. Et croyez-moi, quand tu as ton argent, tu es quelque part, on te manque de respect, tu bouges. Et c'est rare de voir quelqu'un qui accomplit tous ses engagements, qui respecte ses engagements, à qui on manque de respect. Voilà les faux. On parle d'argent, bien, l'autre vient parler. Quelles sont les règles à respecter avant d'offrir ses vêtements à quelqu'un? La pauvreté, c'est une maladie. Hein? Parce que quand on a parlé comme ça, là, toute ta tête est sur des conneries. Vous avez un problème d'attention. Attention problem. Parce que vous aimez les astuces. Voilà, c'est gratuit. Tu peux me donner une astuce? Astuce? Ne me suivez pas, je ne donne pas les astuces. Don't follow me. Apprenez à être cash dans vos choses. Donc, depuis que j'ai arrêté les affaires des trucs gratuits, gratuits là, les gens qui me suivent, when they come, they mean business, I mean business, so we do something. J'ai fait le rituel de pleine lune l'autre jour. J'ai fait l'erreur de dire que c'est gratuit. C'est des ordres que tu voulais voir. Je commence la cérémonie avec 1h30 de retard. Et j'ai bien dit, les noms, je les prendrai science tenante. On finit la cérémonie à 22h30. C'est à 22h45 que les gens commencent à envoyer le nom. Comme le combat de Fury et Ngannou, vous avez. Et je pense aussi que ce combat est venu à une pleine lune. Il y a beaucoup de choses qui sont là pour distraire votre attention. Et vous ne prêtez même pas attention. Tellement vous êtes. Vous avez le nombre d'énergie, la quantité d'énergie spirituelle qui est partie sur ce combat. Votre vie là, ça s'échappe. It's just running away from you. You're like. Ganou, 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 ganou. Vous savez combien la pointe, non? Ouais, l'homme noir, l'homme noir. Oh là là, l'homme noir. Yeah. Il n'y a pas de problème. Comme moi, je parle seulement pour parler, là, ça va. Tu as fini le combat, tu as tout ton loyer à payer le premier, non? N'est-ce pas? Ton bail t'attend toujours le premier, non? Après demain, là, tu l'as payé le loyer, non? Beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas avancé parce que vous ne vous êtes jamais posé la question comment faire pour avancer. Parce que quand tu poses une question à l'univers, l'univers va te montrer la page appropriée, va t'amener. Tu vas tomber peut-être sur mon contenu. Et ça va te dire, mais attends un peu, c'est vrai. Ton compte bancaire, ça reflète ton énergie. Et la moyenne des hommes là-dehors et des femmes, leurs comptes bancaires sont vides. Ils vivent au jour le jour, au jour le jour, au jour le jour. Ce n'est pas parce que tout le monde suit quelque chose que tu vas suivre. Demande-toi toujours, est-ce que c'est bénéfique pour moi? Ça va m'apporter quoi? Oh, Hakabema, ça va me donner l'argent. Resserrez votre esprit. Vous êtes très distrait. On appelle ça en anglais drift. You're drifting too much. You're a drifter. Un procrastineur de feu.
Et quand tu procrastines, tu te sens mal. Pour te sentir bien, tu viens sur TikTok, tu regardes deux vidéos, ça te fait rire. C'est fini. Est-ce que tu peux m'apporter de l'argent? Peut-être te bloque d'abord. Mon énergie ne part même pas sur n'importe quoi ou sur n'importe qui. Why would I do that? Why? Pourquoi le ferais-je? Quand les gens s'excitent autour de mon anniversaire, oh, c'est ton anniversaire! C'est juste un jour qui passe dans ma vie, c'est tout. It's my birthday today. En fait, c'est même l'opportunité pour toi pour dépenser. Ah, oh, l'être humain, Seigneur, qu'est-ce que la société nous a fait? Pourquoi ce n'est pas le jour où tu te disciplines le plus? Pourquoi ce n'est pas le jour où tu prends des nouvelles résolutions pour ta vie? Non, tu vas aller jouer. Tu t'assois, tu traces le plan de ta vie. J'ai déjà 30 ans. À 40 ans, je dois me voir en train de faire ça. Quel est le bilan de mes 12 derniers mois? Ok, j'ai fait ça. J'ai fait ça. Oh, waouh! Moi, les moments de ma vie où je mets beaucoup de choses en question, il y a mon anniversaire, il y a la bonne année. Et moi, les trucs de bonne année, les jours de bonne année, c'est pas les. Ah, bonne année! Il y a quelqu'un ici là que ton don de la parole est en train d'être restauré. Bonne année, qui t'avait ça? Qu'est-ce que je vois que je. Dans les 12 prochains mois qui me sont donnés. Je vois quoi? Je replace les pions, j'arrange. What do you see? Et aussi quand quelqu'un meurt, quand quelqu'un dans mon entourage meurt. Mais en général, tous les 3 mois, je m'arrête et je refais le bilan de ma vie. Et j'ai toujours plus de projets que je ne peux accomplir. Toujours. Je vous assure que, donc mes projets, généralement, je reste quand j'y pense. Si je ne les organise pas bien, je vais me sentir découragé. Donc je mets toujours, ok, il faut que je fasse ça, 100 millions. Il faut que je fasse ça, 20 millions. Il faut que je fasse ça, tellement, tellement, tellement qu'après, c'est ok. Oh my God. That's what I want. That's what I want. Yes. Je vais me lever ça chaque matin, je sens qu'il y a la pression. Laisse push. Laisse push, laisse push. Tu as 20 000 dans ton compte, tu as les projets de 3 millions? Oui! C'est comme ça que tu appelles 3 millions. Et les 20 000 là, tu prends ça, tu commences déjà à investir dans le sens des 3 millions que tu cherches. Non, j'attends. Seigneur, donne-moi un homme riche qui va me donner 3 millions. Oh Seigneur Jésus. Vous avez les sujets de prière souvent. Quand vous venez, vous mettez ça, je ne lis même pas. Je ne lis pas. Je te gronde même. Que c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Chasse les mauvaises énergies. Dans vos projets, vous attendez tout que quelqu'un vient vous donner. Est-ce que vous savez que c'est plus facile
quelqu'un de venir investir sur quelque chose que tu as toi-même, tu as déjà commencé à investir dessus. C'est pour ça que la banque, avant de te donner l'argent, la banque te demande toi-même, tu apportes quoi? C'est plus facile de voir quelqu'un vient et dire, waouh, tu as déjà loué le local? Oui. Tu as commencé les travaux? Oui. Oui, maintenant il nous manque l'argent pour acheter le lustre, fermer la façade ici, mettre la plaque dehors. Ton argent est déjà calibré. Non, il me faut 3 millions. Tu vas faire quoi 3 millions? Hein? Et en attendant la chose, l'argent que tu as actuellement, tu as fait quoi avec? La dernière. J'ai dit maintenant non aux gens, hein? Jesus is Lord. Non, mois d'avant. Dès que quelqu'un vient, je fais telle chose. Ok, je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Je vais voir. Il prend ses soucis, ça devient ma part. Dans les deux dernières semaines, j'ai refusé au moins deux, quatre, trois demandes. Trois. Quelqu'un vient, wow. Oui, tata. Ben, c'est la personne qui est juste en train de finaliser les travaux de ma villa. Non. Oui, je suis dans un quartier qui n'est pas bien. Je vais déménager pour aller lancer mon business de l'autre côté. Donc j'ai besoin de. Il me demande la somme. Il me demande donc tu vas faire quoi avec l'argent. Oui, je vais acheter le matériel. Avec l'argent encore, je vais louer, je vais payer le loyer. Donc en fait, dans son planning, il n'avait même pas 5 francs. Et au-dessus de ça, il va encore acheter la marchandise qui va lancer notre business. Oh, Seigneur. Et c'est un prêt qui demande. Il ne prête pas l'argent, Jean. Il ne donne même pas. Pour Yona. Tu viens tester tes idées avec mon argent. Hmm? Parce que comme il passe, il voit. Oh, j'étais ici là le mois passé. Il n'y avait pas ça. L'argent entre. La fille, c'est l'argent. Mon argent, c'est pour moi. Quand mon agent touche ma main, il y a le programme sur mon agent. Emma, je vais bien, merci. Qu'est-ce qui te fait penser que quelqu'un d'autre va prendre son argent, laisser ses projets, venir investir sur tes projets? Là, le chemin est long. L'équation là a beaucoup trop d'inconnus pour moi. Et que toi-même, avec l'argent que tu as, tu n'as pas investi sur tes projets. Mais tu veux prendre l'argent d'une autre personne pour venir mettre... Ce n'est pas méchant. Hmm? Dodo, il te faut un lavage. Toi, tu as l'argent, tu n'arrives pas à faire tes projets avec. Oui, on poste au Kinshasa, on poste, oui, on envoie ça par le bus. Hmm. Oui, Sophia, il faut, mon numéro est dans la bio. Il faut prendre le numéro dans la bio, tu écris avec. Arrêtez de penser que les gens vous doivent quelque chose. Dieu ne va pas les punir parce qu'ils vous ont refusé l'argent. Et si vous méritiez, Dieu vous donnerait. If you deserve it, God would give you. Moi, mon slogan, c'est commence avec ce que tu as, en attendant ce que tu veux. Ton faux téléphone qui est dans ta tête, dans ta main là, fais tes vidéos avec. Commence. Parfois, tu peux avoir l'idée de faire des vidéos plutôt de nourriture. Et que c'est plutôt le conseil qui donne sur toi. Tu fais la nourriture, tu fais. Les gens ne regardent pas. Tu avais le faux choronko, ou c'est le quoi là-haut? Le faux...
pop là, ou bien techno. Et puis un jour, en passant, tu fais une vidéo de motivation. Tu vois ça, les vues. Il dit, ah, il est bonjour. Donc, ok. Ben, motivation donc. Ce qui fait que le jour où tu achètes, et c'est parfois ce que tu vois que tu peux faire avec ce téléphone qui va te motiver à mettre de l'argent de côté pour acheter le téléphone là qui est plus cher. Je travaille à distance. Ne venez pas vous donner vos énergies là. Le numéro au Gabon, c'est le 074 18 00 80. Gabon 074 18 18 00 80. 18. Cameroun 237 693. 50, 22, 66. Côte d'Ivoire, 07, 79, 02, 52, 05, 07, 79, 02, 52. 05. Mes enseignements ont réveillé le lion qui sommeillait en toi. Problème. Vous venez vous engueuler dans ma cour? Je vous assure, ils sont en train d'avoir une dispute. Tu as peur, il faut manger tes 100 000. Va acheter une paire de chaussures. Tu as peur, tu as 100 000 pour faire le business, tu as peur. My beau fils, bonjour. Et 100 000 pour lancer le business, j'ai peur. Ne fais pas. Quand tu vas perdre les 100 000, là, tu vas dire que c'est moi qui t'avais dit de partir. Ne fais pas, mamie. Achète une belle chaussure avec tu portes. Il faut manger ton investissement. Tu portes. Porte ton investissement sur toi. Willy, bonjour. Clarence, bonjour. Yaya, bonjour. Armel, bonjour. Vous comportez encore comme si. Tu dis comme la messe. Tu as l'argent, tu veux faire le business, tu hésites. On échoue. Tu veux que je dise combien de business j'échoue par jour? Tu sais combien de choses je lance que ça ne marche pas? Donc, si tu as seulement une seule idée de business, c'est pas assez. Faut laisser. Chimène, bonjour. C'est ça votre problème. Les gens aujourd'hui ne veulent pas
prendre une idée là pour suivre. J'ai regardé, il y a un coiffeur qui a coiffé le Francis Ngannou. Il y a quelque temps, il a mis une vidéo en ligne pour ça. Et s'il y a quelque chose qui m'a marqué avec Francis Ngannou, le coiffeur lui demande, qu'est-ce que tu dirais aux gens de ton pays qui te regardent? Il dit, prends une idée. Reste sur l'idée là. Stick to it. Pendant que tu fais, ça ne donne pas. Tu dois avoir deux, trois choses dehors qui te donnent l'argent. Bah, tu commandes que ça ne donne pas un peu. Ah, vraiment, ça ne marche pas. C'est pour ça que vos business ne doivent pas venir parce que vous avez vu d'autres personnes ont fait. Tu dois faire parce que ça vient de tes tripes. Parce que quand ce sera dû demain, même le mariage, si tu pars dans le mariage parce que ta soeur a dit que oh, il est beau, quand ça va ham, c'est toi qui vas pleurer. Les kits, on les poste en France. Donc tu écris au Cameroun, tu payes au Cameroun et on envoie là-bas. Plus 237 693 50 22 66. Certains parmi vous, vous avez des idées pour faire une association, pour faire un orphelinat. Personne n'investira sur votre orphelinat. Personne ne viendra investir sur votre association. Personne n'investira sur ton projet. S'il y a aussi un problème qui bloque les choisis, c'est l'égoïsme parfois. Donc beaucoup de choisis, tu vas les voir. En tout cas, j'ai parfois ce problème-là avec les personnes qui sont venues près de moi et qui ont vu ce que je fais. Je veux aussi créer ma part. Ça, le truc. Je veux aussi faire ma part. J'ai le rêve de faire telle chose. Quand ils viennent à mon entreprise, ils voient comment ça marche. Non. Tu peux être choisi, mais tu vois la vision de quelqu'un. Tu t'assois dans la vision là. Tu portes ça avec la personne. Non, je vais faire ma part. Tu peux avoir l'art oratoire en toi. Tu as le don de motiver les gens, de parler en public. Mais tu arrives, Dieu ne t'a pas donné cette capacité d'être vu rapidement. Va servir quelqu'un qui fait. Assure-toi que la vision donne avec ce que toi, tu vois. Mais comme il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, tout le monde veut faire sa part seul. Chacun veut faire. Je veux aussi qu'on me voie. Oh là là. Yossa, tu es chiche. C'est pour ça que ton argent fuit beaucoup. Tu as suivi. On n'aimait pas qu'on vous dise des choses comme ça, non. Tu es chiche. Tu as l'argent pour faire le business, tu fais, mais après, dès que tu as l'argent, ça fait quoi, là? Ouais, tu es chiche. T'as suivi. Donner. Quand on dit de donner aux orphelins, là, c'est pas par hasard, c'est bon et pas bête.
Tu es au Gabon, prends le numéro du Gabon. J'ai donné le numéro du Gabon depuis, non. Le 074 18 00 80. Parfois, vous avez l'argent, vous avez peur de dépenser cet argent-là. Et c'est ce qui bloque votre argent. Vous êtes limité au même endroit. That's how it is, girl. Je viens de me découvrir, c'est parce que tu es sur la même vibration, c'est tout. J'espère que ça te plaît. Les gens qui me cherchent, vous pensez que parce que vous êtes sur ma page ou dans mon groupe, je vais devenir votre grande soeur que tous les jours vous allez m'écrire, parler, parler là, je suis pas dedans. Je n'aime pas les longues conversations. Même mes enfants, et voilà comment je suis au téléphone avec mon enfant. Allô? Bonjour maman! Oui maman! Oui, il y a quoi à faire? Allez, dis-moi. Mes enfants connaissent. Oui, maman, on doit faire ça, 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 ça. On doit faire ça. Ok, d'accord. Faites ça. Attendez l'autre aussi. Oui, le chauffeur va vous donner ça. Oui. Ok, maman. J'ai une comme ça que je l'ai bloquée sur mon truc, mon WhatsApp perso. Il lui avait dit là 2 jours avant que je vais te bloquer. Tous les jours, tu m'écris. Tu m'écris tous les jours. Hein? Même mon gars lui-même. Ouais, qui est. Vous n'êtes pas, vous êtes au téléphone. Oui, dis-moi. Non, toi, dis-moi. Non, toi, raccroche. Oui. Tu fais quoi? J'étais en train de. Tu vois, quand tu parles en faisant quelque chose d'autre. Tu vois, j'étais en train de. Attends un peu, 1 minute. Hein. Oui, je disais que. Oui, je disais que. Oui. Attends, attends, je. Oui, je disais que. Comment vous faites? Non, quand tu me fais ça, je raccroche. Je raccroche, je fais comme si le réseau est parti. Venez vous plaindre, je vais vous bloquer. Il n'arrive pas à garder l'argent. Je vous bloque. Il y a des choses que vous faites qui perdent votre temps et vous ne comprenez pas. Tu te lèves, tu n'as pas un objectif pour la journée. Tu te lèves à 6 heures, tu m'appelles. Mes matinées. Donc, call me. Et si tu calls, je te décroche le téléphone. C'est pas pourquoi on parle 1 heure de temps. J'ai des choses à faire. I got things to do. I got things to do. Et la première denrée, la première ressource que Dieu regarde ta façon de gérer, c'est ton temps. Oui. Comment est-ce que tu gères ton temps? Géraldine, écris sur le WhatsApp, tu demandes qu'on t'ajoute dans le groupe WhatsApp. Tu écris sur le 237 693 50 22 66. Gère bien ton temps. À chaque moment de la journée, est-ce que ce que je fais, si ça va me faire. Est-ce que ce que je fais, si c'est important? Est-ce que ce que je fais, là, ça va aider? L'argent que je vais dépenser là, est-ce que ça va. Vingt-deux soixante-six à la fin. 93 50 22 66, pas 36.
Non, c'est mon patron, non. Ils vont me payer de toutes les façons. Comme tu voles le temps de ton patron là, tu ne sais pas que tu es en train de. Tu es devenue voleuse. Tu es devenue voleuse. Quand tu restes même comme ça, tu vois, quand tout le monde fait un truc. Un jour, j'étais à Paris, on est allé faire un photo shoot et on était à la Défense. Je crois qu'il y a un très grand espace là-bas. Donc, quand on finit les photos, il y avait des personnes qui sortaient d'un match quelque part. Donc, ils ont commencé à marcher. Donc, peut-être à un moment, on s'est retrouvé avec 2000 personnes. On allait dans la même direction. Et là, je vois tout le monde. J'ai dit, wow! Je vous assure, juste pour être OK mentalement, je me suis retourné, j'ai fait le sens inverse, le temps que les gens passent. J'ai dit aux gens avec qui j'étais que je n'aime pas suivre la masse. J'aime prendre mes propres décisions et j'aime assumer les conséquences de mes décisions. J'aime. C'est mauvais, j'assume. C'est bon, j'assume. Maintenant, je comprends que je suis maîtresse de mon destin. Ton mari ne te bloque pas, c'est toi qui as permis qu'il te bloque. Ta tante ne te bloque pas, c'est toi qui as permis qu'elle te bloque. Tu n'es pas bloqué dans le quartier où tu vis. C'est toi qui ne veux pas trouver l'argent pour trouver une autre maison ailleurs. Simple. Simple. Là, c'est. Le jour où tu trouves l'argent, tu payes, tu pars, c'est tout. C'est pas la science-fiction, c'est pas compliqué. C'est ta maison, c'est ta maison, non? C'est toi qui as, tu as le pouvoir de changer ta maison. L'atmosphère de ta maison, c'est toi qui la détermine, hein? Il y en a parmi vous, vous avez des pouvoirs comme la guérison des mains, dans les mains. Pas de problème, Esther. Vous êtes aussi très protégée. Cette semaine qui commence. Il y aura beaucoup de jugements et d'échecs pour vos ennemis. Et vous êtes en plein éveil. Vous êtes en plein éveil. Vous allez apprendre à faire la part des choses. Certaines personnes, vous étiez dans une relation de soumission à l'autre personne. Vous allez vous éveiller. Vous allez vous responsabiliser. La dépendance affective que vous aviez, c'était en quelque sorte une sorte de paresse affective. Parce que tu ne voulais pas te retrouver seule, tu ne voulais pas avoir à chercher toute seule. Certains aussi vous êtes appelés à travailler avec les enfants, peut-être avoir un orphelinat, des choses comme ça. Il faut écrire cette vision, écrire. Comment ça te renseigner, comment faire pour ouvrir peut-être un orphelinat. Renseigne-toi là-dessus. Peut-être la procédure n'est pas aussi compliquée que tu penses. Voilà la deuxième carte pour les guérisseurs. Beaucoup ici, vos pouvoirs de guérisseurs vont s'activer. Vos pouvoirs de guérisseurs, ça va s'activer cette semaine. Beaucoup ici, vous avez pris du retard. Vous êtes censé déjà être très loin. Mais vous étiez ralenti. Et là, vous aurez comme une sorte d'accélération énergétique.
Vous avez pris du retard. Il y a une personne ici, c'est la semaine ici que tu vas réaliser en fait que cette personne-là que je lui cours après, c'est bon. Je ne veux plus, je ne veux plus. Alors, mon dessous. Donc, cet amour impossible, tu vas finalement accepter et tu vas laisser cette énergie partir. Vous aurez aussi l'aide d'une personne. Il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, va vous inspirer. Il y a quelqu'un qui va venir et apporter comme une lumière. En fait, je vois une personne ici, là. Tu étais dans ta relation, genre, tu sais que tu as les dons, tu sais que tu as une grande mission sur la terre, mais ton entourage te faisait... ne pouvait même pas te dire que voilà, je vois que tu peux faire ça, je vois que tu as tel don, je vois que non. Josiane, bonjour. Non, non, non. Et là, tu auras quelqu'un qui va venir dans ta vie et qui va te... C'est un peu comme si tout va avoir un sens. It's gonna make sense. Je ne suis pas folle en fait. Je ne suis pas folle. Et il y en a ici, peut-être vous avez échappé à un accident la semaine passée, mais vous allez être conscient de votre protection. Vous êtes très protégé, mais parfois, vous-même avec votre bouche, vous gâtez votre protection. Donc, cette sensation d'être protégé là, ça va vraiment... ça va prendre le dessus cette semaine. Beaucoup ici, vous êtes des anges terrestres. Vous êtes des anges terrestres. Donc, il y a beaucoup de bonnes choses que vous êtes appelés à faire. Donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez... Tu vois, souvent, quand tu... Avant, tu partais aider les enfants dans les orphelinats, aider, personne ne voyait. Donc, cette semaine, c'est un peu comme si Dieu va te montrer ce pourquoi tu es appelé. Ce sera clair dans ton esprit, en fait. Je prends ici, je pars, je donne là-bas. Il y en a aussi parmi vous, vous avez beaucoup de responsabilités spirituelles. Donc, il y a des personnes qui dépendent de vous. Et vous savez que... Donc, des personnes à haute responsabilité. Vous savez que... Donc, avant, c'était genre, je suis sûr que je suis appelé à faire de grandes choses. Maintenant, à partir cette semaine, si tu vas... C'est un peu comme si tu vas rentrer dans un état de conscience. Genre... Je ne suis pas une petite personne. Ah, oh, vous avez vu l'entrée de Ngannou avec la chanson de Drake. God's plan. God's plan. Hey. Oh. Hey. Still. There's a lot of bad things that are wishing, they're wishing, they're wishing, they're wishing, they're wishing on me. Ah, God's plan. La semaine, si vous aurez l'impression que Dieu a un plan pour vous qui est en train de... Donc, vous avez, je ne sais pas. Je vois beaucoup, je vois quelqu'un ici que tu vas avoir beaucoup de visions qui vont venir cette semaine. God's plan. Tu te vois en train de recevoir une médaille. Tu te vois en train de voyager. Beaucoup de blocages que vous aviez dans votre âme vont être exposés et éloignés cette semaine. Tu as l'impression que tu es en train de faire un travail spirituel. Donc, je vois aussi des personnes qui se guérissent eux-mêmes. Auto-heal. Vous vous guérissez vous-même. Donc, vous allez commencer un chemin de nettoyage énergétique. Personnel. Et il y a aussi quelqu'un ici. Les choses que tu as apprises en te guérissant, tu vas les utiliser pour guérir d'autres personnes. God's plan. God's plan. Oh my God, j'ai envie de chanter, j'ai envie de danser. Il faut que je mette ça après pour danser, vraiment. Yeah. Bon, vous aurez aussi vos jaloux, hein, vos jaloux, on peut rien faire. Hein. Voilà la promotion, promotion, promotion. Vous avez bien sûr des jaloux qui vous observent. Bonjour mes jaloux, comment vous allez? On continue. Le cœur des hommes. Ouh! Quand on te déteste, tu as tout la joie. Ça a le goût. Le cœur des hommes. Les gars là ont le cœur. Ils ont vraiment le cœur. Quelqu'un peut faire comme ça. Il te tue. Après, il vient lui au deuil. Il fait chaud à doigt là.
Non, j'avais trop... La première fois que j'ai écouté la chanson de ce gars-là, je me suis dit, what? I was like, le gars, il a trop chanté ce que. Donc, je vous ai parlé de l'une de mes employées qui a pris le kit fondation. Donc, elle voulait découvrir le meurtrier de son père. Voilà, que le meurtrier vienne se prononcer lui-même. Ils font la réunion familiale. Voilà, son oncle qui a tué son père, il se pointe. Il se lève, il dit, ah, Nathalie, c'est toi qui fais le désordre ici. Hein? Tu dis tourner les reins. Hein? Il se pointe, c'est lui qui a tué. Il tuait le père parce qu'il voulait le terrain. Et les prochains sur la liste, c'était elle et son frère. Nanana. Et elle dit que c'est lui qui pleure au deuil plus que tout le monde. Il dit que tu veux t'amuser, quelqu'un te tue, il vient au deuil. Et c'est lui qui danse plus que tout le monde. Ou bien qui pleure, on va dire. Mais ils ont menti. Ils ont menti. Donc il y a quelqu'un que cette semaine, tes efforts vont payer. Tes efforts vont payer. Donc tu as fait beaucoup de choses, efforts, promotion. C'est un peu comme si tu as semé le bambou de Chine, tu as semé depuis des années. Et promotion, argent, argent, tu dis, yeah, what is this? Il y a aussi quelqu'un, ton savoir antérieur va revenir. Tu es quelqu'un de très sage normalement. Très sage. Mais ta sagesse est en train de passer une autre dimension. Tu vas rester, tu vas avoir les stratégies pour faire certains trucs. Tu écoutes un livre. Tu écoutes seulement 30 minutes du livre. Mais tu as, ça a provoqué des sagesses en toi, des trucs, connaissances. Et je vois aussi quelqu'un qui va faire des vidéos. Tu vas lancer tes vidéos cette semaine. Ton voyage, on va te donner le visa avant la fin de ce mois. Soit aujourd'hui, soit demain. Ou ton titre de séjour. Donc, une personne ici, tes déplacements sont débloqués. Reçois tes déplacements au nom de Jésus. Reçois tes déplacements au nom de Jésus. Visa débloqué. Mariage débloqué. Écrivez débloqué. Enfant débloqué. Écrivez. Passeport débloqué. Carte de séjour. Billet d'avion. Mariage. Business. Ta page TikTok avec les abonnés. Débloquée, augmentée. Ton art oratoire, ta façon de parler, ta puissance de la parole. Débloquée. Tes dons spirituels. Ton âme. Tes dettes remboursées. Le business que tu veux lancer depuis, débloquer et commencer. Bulle, merci. Jalousie exterminée. Carte de séjour débloquée. Nationalité. Dette remboursée. On te rembourse et tu rembourses.
Ceux qui veulent traverser la mer là, la semaine, on va vous appeler. Recevez votre entrée dans le pays de vos rêves. Tu ne vas pas t'éterniser dans le pays où tu te trouves. Prenez le Fanta, vous versez au sol aujourd'hui. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Tu es le chemin. Tu crées le chemin. Il crée le chemin. Je crée le chemin pour toi. Je crée le chemin pour toi. Je crée le chemin pour que tu voyages. Je crée le chemin pour que tu voyages. Je crée le chemin pour que tu traverses. Je crée le chemin. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. C'est lui qui crée le chemin. Seigneur, je m'accorde avec tes enfants aujourd'hui. Nous venons prendre les papiers que tu nous as donnés depuis que tu nous as créés. Toutes les nationalités que vous êtes censés avoir depuis votre naissance. Je déclare que vous ne mourrez pas sans les avoir. Je déclare, dans maximum 12 mois, vous serez dans vos pays que vous avez désiré au nom de Jésus. Votre famille va venir vous rejoindre au nom de Jésus. Recevez l'argent pour les procédures. Recevez votre garant. Recevez la personne qui va vous prendre en charge. Recevez l'agence qui va travailler sur votre dossier. Je crée un chemin. Tu y as pensé, mais comme tu es pauvre, tu te dis que tu ne peux pas. Je crée un chemin. Que tu ne te décourages pas. Merci, ange. Je chasse le découragement. Ce n'est pas un vol si tu te vois à l'étranger en train de vivre avec ta famille. Tu y as droit aussi. Tu le mérites. Tu le mérites. I deserve it. Écrivez ici, je le mérite. Je mérite le bonheur. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. Seigneur, donne-nous la discipline pour travailler. Donne-nous la gestion financière, Seigneur. Je dépose l'esprit de discipline sur vous. Je dépose l'esprit de gestion de temps. Je dépose l'esprit de gestion financière sur vous. Ceux qui étaient dominé par des personnes qui volent leur argent. Je déclare qu'on ne va plus venir t'extorquer de l'argent. Tu contrôles tes finances. Tu arrives à dire non. Tu ne sais pas là où tu vas prendre les 3 millions, les 5 millions là. Je crée un chemin pour toi. Que les personnes à qui tu as demandé de l'aide te répondent favorablement. Que l'argent que les personnes attendaient pour t'aider arrive aujourd'hui. Parfois, quelqu'un veut t'aider, ses finances sont bloquées. You are here.
worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. Pendant que je chante, que le Seigneur dépose les idées en vous. Que le Seigneur dépose ce qui était mort. Que ça reprenne de la vie aujourd'hui au nom de Jésus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You wipe away our tears. You mend the broken heart. You're the answer to widow. Jesus. You wipe away our tears. You mend the broken heart. You're the answer to widow. To widow. Jesus. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Okiara basande de debo shande. Oroboski aramanda rakase, aruskan bradeol sante. Lo cruzcanda la caduya mancarabia sande lebosa. E cuncra de boschi da manda la candra casque. Ma fille, je ne t'ai pas abandonnée. Tu as eu des flèches, c'est sûr. Mais sache que je ne t'ai pas abandonnée. Je suis avec toi. Tu verras ma main dans ta vie cette semaine. J'adresse le cas de tes ennemis. N'aie pas peur. J'adresse le cas de tes ennemis. Écris, Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Tu as plus d'ennemis que tu ne penses. Certaines personnes ont vu ta lumière et cette lumière les dérange. Mais ne t'inquiète pas. Je suis celui qui sauve. Je suis celui qui restaure. Je suis celui qui restaure. You are here. Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Seigneur, occupe-toi de mes ennemis. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. That is who you are. TikTok, je ne sais pas ce que les démons de TikTok veulent. Tapoter. TikTok, le réseau, c'est là. Il y a une sorcellerie qui se passe dessus. C'est quand on commence à prier que TikTok s'arrête.
Il y a quelqu'un ici que ta foi est en train de revenir. Tes choses sont en train de reprendre. Tu es en train de reprendre goût à la vie. Aujourd'hui, c'est la première fois que tu vas même t'habiller un peu bien. Vous devez activer votre foi d'une façon où personne ne peut venir, même si vous rencontrez des obstacles. Et maintenant, hier, j'ai parlé avec une dame qui a un orphelinat. Elle travaille les orphelinats ici au Gabon. Elle avait un grand problème avec les hommes. Disciplinez-vous beaucoup sur les hommes. Beaucoup. Disciplinez-vous sur les hommes. Qu'un homme ne te fasse pas, disciplinez-vous. Parce qu'elle a une bonne énergie. Elle apporte beaucoup de choses aux gens. Tu imagines, tu es dans la vie de quelqu'un, quelqu'un à qui on devait 900 millions de francs CFA. Vous faites quelques temps ensemble, le gouvernement commence à débloquer ses dettes, payer ses dettes. Et toi-même, tu es dans le trou. Et quand il reçoit l'argent, là, il ne te donne pas. Il y en a parmi vous les choisis, vous apportez beaucoup de chance aux gens. Mais vous vous négligez. Vous êtes comme des porte-bonheur. Ne soyez pas trop désespérés dans les relations, s'il vous plaît. Soyez pas si désespérée. Car avant ça, elle a fait 15 ans, elle sortait avec un homme marié. 15 ans de relation. Où est-il, Bidis? On t'a attaché. Et. De ces personnes-là, il vient avec toi, il prend et pas manger avec sa femme de la maison. Tu as parlé avec qui? Avec moi et ton ex. Il est revenu te proposer pour faire le business. Mamie, tu veux faire business avec ton ex? Bon courage, maman. Je te dis ce que quoi. Si tu es choisi, tu es encore influencé par seulement par le chocolat, parce que tu ne sais pas encore ce que tu veux, mamie. Tu ne connais pas encore bien ce que tu veux. Tu apportes la chance aux hommes. Non, non, tu te plains pourquoi? C'est toi qui donnes, non, c'est toi qui acceptes. Est-ce que l'homme t'a forcé? Il donne quel genre que tu n'as pas encore vu. Oui, même si tu n'as pas encore vu le genre, il dit que oui, je passe. Je passe. Je passe, est-ce que tu es obligé?
Je vis ça en ce moment désespéré car je ne sais pas ce que j'ai fait et parle sans raison valable. Tout dans notre vie, c'est nous qui avons accepté. L'homme vient, il veut t'épouser, il donne quoi? Il met quoi sur la table? Le mariage, c'est quoi? Vous aussi, vous avez pour le mariage qu'on le palmarès. Hein? Je travaille sur une dame, c'est son père qui l'avait bloqué. Et son père avait fait de telle façon qu'elle avait épousé seulement les vourés. This is no joke. Et il parle, il dit, ah, le vaurien là, il est inoffensif, il ne peut rien faire. Elle est en relation à distance avec un. 6 mois ils sont pas ensemble, 1 mois ils sont ensemble. Si, il est à l'étranger, elle est ici. Pas ton élection. Mais honorable, c'est dans le direct que vous allez venir demander comme ça. C'est pas tout simplement dire je suis marié, il y a les mariages que vous savez que ça ne vous aide pas. Tellement vous êtes stressé dans ce mariage-là. Faut faire attention. De tout, c'est pas de dire que tu as porté la bague. Ton homme là où tu connais que ce que tu as de faire là, ça ne donne pas. Tu crains seulement en disant, ah, je suis marié. Faites attention. Non, je vais y aller. J'ai des consultations à faire. Ceux qui ont payé les consultations, on va les faire. Elles seront faites aujourd'hui. Interprétation de rêve aussi. Pour les kits, commandez vos kits, vous recevez, vous faites 7 jours de jeûne, vous faites vos kits. Il y a beaucoup de problèmes que vous venez ici exposer dans le direct, que vous pouvez faire ça. Ces problèmes peuvent être résolus à travers les kits. Donc écrivez, vous posez votre problème. 237 693 50 22 66. Chris Walker, bonjour. 237 693 50 22 66. Tu écris pour demander donc. Ceux qui ont les malédictions familiales, le kit c'est au Cameroun c'est 70 000. En France c'est 230 euros. Côte d'Ivoire c'est 90 ou 100 000. 100 000 je pense. Il y a le kit de désenvoûtement pour les personnes qui ont les trucs dans le ventre, là, les kystes, les myomes, les choses comme ça. Commence par le kit fondation, après tu prends le kit désenvoûtement. Après, bon, ça dépend maintenant. Quand tu prends un kit jusqu'à tu finis, tu écris, tu demandes qu'est-ce que tu peux faire d'autre. Par exemple, aujourd'hui, j'ai une dame qui écrit. Elle me dit, ils sont trois dans la famille. Elle, sa soeur et son frère. Ils ont pris d'abord le kit fondation. Ils ont pris aussi les lavages. Et genre, elle faisait genre, ok, je prends quoi maintenant? Bon, je l'appelle croyant, peut-être que ça n'a pas. Bon, peut-être ils ont fait le kit, ça n'a pas. Elle dit, non, ne te dérange pas. Que si elle vient pas pour prendre le deuxième comme ça, là, on a fait le kit. Et les rêves qu'on a, les trucs qu'on a vus, on a vu les images, les visages des gens qui nous bloquaient dans le rêve. Ma petite soeur, son mari qui était toujours bizarre avec elle, il a changé de comportement, il est maintenant gentil. Elle-même au boulot, elle a eu la promotion. Mais elle disait qu'on lui avait monté seulement 100 000 de salaire, elle est maintenant chef comptable, je crois quoi. Donc elle, maintenant, dans ce mois-là, sa demande, c'est qu'on augmente encore plus son salaire et qu'elle profite de tous ses avantages de service. Attends, parce qu'elle est expatriée, elle ne travaille pas dans son pays d'origine. Maintenant, quand tu es expatrié dans un autre pays, une entreprise t'embauche, il y a des avantages. Et que non, j'ai eu la promotion, j'ai eu ceci, j'ai eu cela. Donc, faites votre travail spirituel. Nous bénissons ce bébé. Nous le bénissons au nom de Jésus. Passez une bonne journée.